Qu'est-ce que tu veux? Non, je pleure pas. Bon sang. On peut pas s'éloigner de ses amis pendant 5 minutes. Laisse-moi tranquille, mec. Si t'as besoin de chier, il y a une autre salle de bain à l'étage. Tu veux faire quoi? Oh, waouh! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Un jeu d'alcool? Oh, action ou vérité, hein? Qui a dessiné ce truc sur ton visage? Mais pourquoi est-ce qu'il est tellement de traviole? Il y a quelqu'un qui a jamais vu une vraie table de toute sa vie. Même moi, je pourrais mieux la dessiner. Allez, entre. Ouais, je pense pas que ça va s'en aller avec de l'eau et du savon. Tu vas avoir besoin d'une sorte d'huile. Laisse-moi regarder. Mon Dieu, que dirait ta mère si elle te voyait comme ça, hein? Viens par ici. J'ai trouvé une sorte de... qu'est-ce que c'est que ça? De l'huile d'églantier. Cette maison est si chic. Enfin, c'est plutôt normal quand tes deux parents sont PDG. Assieds-toi sur la baignoire et arrête de bouger. Et... voilà. Ça ressemble un petit peu à une fleur maintenant. Avec une tige très grosse et de traviole. On la laisse comme ça? Je plaisante. Ne bouge pas. Ok. Ton visage est redevenu vierge. Tout comme toi. Oh, ok mec. J'avais pas besoin de savoir ça. Tu l'as fait avec cette fille? Quelle fille? Celle qui te regarde avec ses yeux de chiot. Brune. Lunette. Avec ses gros... yeux. Tu vois de qui je parle. Comment t'as réussi à t'éloigner d'elle d'ailleurs? T'as enfin obtenu un ordre du juge? Ou est-ce que t'as empoisonné son verre pour qu'elle s'évanouisse et te laisse tranquille? Non, l'idée ne m'a pas traversé l'esprit du tout. Je pense juste que tu pourrais faire mieux, c'est tout. Elle n'est pas à la hauteur. Je dis ça pour être gentille, au fait. Ne t'habitue pas à recevoir des compliments de ma part. Ah, vous sortez plus ensemble? Tu t'es lassé de recevoir des lettres écrites en calligraphie nunuche? Ou est-ce que c'est parce qu'elle poste tous ses repas sur Instagram? Ouais, je l'ai stocké. Je voulais voir ce que tu trouvais de si intéressant chez elle. J'ai rien trouvé d'intéressant. Enfin bref, tant mieux pour toi, je suppose. Enfin, sauf pour le fait que vous êtes tous les deux coincés à une fête de groupe de la Saint-Valentin ensemble. C'est plutôt gênant. Tu savais pas qu'elle allait être là? Ça craint pour toi. Mais sérieusement, pourquoi vous avez rompu? Ennuyeuse, hein? C'est drôle. Elle a pas du tout l'air d'être ce genre de fille. Ça veut dire que tu aimes les filles un peu plus excitantes? Oh, dominante, hein? Intéressant. Je te voyais pas comme quelqu'un qui aimerait recevoir des ordres. C'est le cas? Et si je te demandais de faire quelque chose là tout de suite, est-ce que tu le ferais? Ça dépend de ce que c'est. Eh bien, devine quoi? Il s'avère que je suis plutôt douée pour donner des ordres. En fait, je dirais que c'est naturel chez moi. Tourne-toi. J'ai dit, tourne-toi et mets tes mains au-dessus de ta tête. Eh bien voilà! T'as
t'inquiète pas. Je te ferai rien faire de trop hardcore. À moins que t'aimes bien ça, bien sûr. Alors, où est-ce qu'on en était? Oh, c'est vrai, toi et ton ex. Je trouve ça drôle, tu sais, te voir avec quelqu'un de si... plat. C'est vrai, j'ai toujours pensé que t'irais plutôt avec quelqu'un d'un peu plus... épicé. Mais bon, chacun son truc, pas vrai? Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, oui, ce sont mes mains autour de ta taille. Qu'est-ce que tu ressens? Une chaleur, hein? Et si je les glissais sous ton haut? Et si je frôlais un peu ta peau avec mes ongles? Ou est-ce que c'est un peu trop épicé pour toi? Je savais que t'aimerais bien ça. Ok, baisse les bras. Bon garçon. Je vais te faire un petit massage du dos parce que t'as l'air un peu tendu, tu vois. Depuis que t'es entré dans la baraque, j'ai senti que quelque chose allait pas chez toi. Oh, c'est parce que tu savais qu'elle serait peut-être ici. Ouais, je comprends. Qu'est-ce qu'elle dirait si elle te voyait plaquer contre le mur comme ça, hein? Entièrement à ma merci. Elle devrait prendre des notes. Appelons-la et faisons-la regarder. Retourne-toi. J'ai dit, retourne-toi. Regarde-moi dans les yeux. Hé, j'ai pas dit que tu pouvais te pencher en avant. C'est moi qui donne les ordres ici. N'évite pas mon regard. Ok, très bien. Si tu veux pas me regarder, je vais devoir te forcer. Et voilà, tu sens ma main sur ton menton. Ouais, je vois bien que t'es nerveux. Mais t'aimes ça, n'est-ce pas? Tu aimes que je te rende nerveux? J'ai bien remarqué que t'évitais mon regard quand je te regardais de l'autre côté de la pièce. Que tu te grattais la tête ou que tu te déplaçais maladroitement d'un pied à l'autre quand je te parlais. Mais tu sais quoi? J'aime bien l'effet que j'ai sur toi. C'est amusant. T'es un vrai casse-tête, toi. T'essaies toujours de garder ton calme. Mais tu échoues lamentablement dès que je suis près de toi. Mais c'est pas grave. J'aime percer les mystères. Surtout ceux qui sont aussi intrigants que toi. Ferme les yeux. C'était plus facile, ça, hein? Tu aimes te cacher. Ça se voit. Tu ne lèves jamais la main en classe. Tu fais toujours profil bas. Tu n'oses parler que lorsque tu sais que tu as l'attention de tout le monde. Je t'ai observé ce soir. Tu buvais dans ton coin et tu observais tout le monde au lieu d'interagir. Je veux dire... C'est vrai que ce truc était une idée stupide. Qui diable organise une fête de groupe pour la Saint-Valentin? Le but de la Saint-Valentin, c'est d'être seul avec la personne qu'on aime. La personne à laquelle on ne peut s'empêcher de penser. La personne dont on a envie d'être proche. Celle qui sait comment te toucher. Il fait sombre d'un coup.
plus besoin de se cacher. Dommage que je ne puisse plus voir ses jolis yeux, mais l'obscurité, ça oblige à se concentrer sur les autres sens. Alors, qu'est-ce que tu sens? Tu aimes ma main autour de ton cou? Dis-le plus fort. Gentil garçon. Quoi d'autre? Mes doigts qui effleurent tes cheveux. C'est bien. Maintenant, mets tes mains autour de ma taille. Allez, qu'est-ce que tu attends? Vas-y. En fait, c'est un ordre. Nous y voilà. Ce n'était pas si difficile, n'est-ce pas? Comment tu te sens? Parfait. Alors, tu jouais à action ou vérité, hein? Et si on jouait un peu? Ok. Action ou vérité? Vérité, réponse surprenante pour quelqu'un qui aime tant se cacher. D'accord, je vais trouver une bonne question. Qu'est-ce que tu penses de moi? Bah allez, vas-y, sois honnête. Populaire, hein? Tu dis ça parce que j'ai plus d'amis que toi? Oui, je dirais que je suis assez populaire. Quoi d'autre? Charmante! Oh, personne ne m'a jamais dit que j'étais charmante avant. On dit toujours sexy ou effrayante ou un peu folle. Surprenante? Je suppose que tu t'attendais pas à ce que je te coince contre le mur de la salle de bain, hein? Autoritaire. C'est vrai, j'aime bien qu'on m'obéisse. Action ou vérité? Non, tu n'auras pas ton tour. C'est moi qui fixe les règles et qui donne les ordres. Tu te souviens? Alors, action ou vérité? Action? Bien sûr. Je te défie de me mordre le cou. Allez, ne sois pas timide. Mords-moi un peu plus. Ah, et voilà. Tu es vraiment un gentil garçon, tu sais. Et parce que tu as été un si bon garçon, je vais te laisser me poser une question. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir? Si j'étais jalouse? De qui? D'elle. C'est exact. En vous voyant marcher main dans la main à l'école, j'ai eu envie de lui planter une flèche de Cupidon dans son... Désolée, je suis un petit peu possessive. Surtout quand j'aime vraiment ou que je veux vraiment quelque chose ou quelqu'un. Et je te voulais vraiment. Vraiment, pour moi toute seule. C'était juste une question de temps avant que tu ne réalises qu'elle n'était pas faite pour toi. Et j'attendais, ou devrais-je dire, je bouillonnais patiemment jusqu'à ce que tu ouvres les yeux.
Maintenant, approche-toi. Tu sens mes lèvres frôler les tiennes. Tu sens à quel point c'est plus intense dans l'obscurité. Tu as envie de m'embrasser. Je le savais. Attends, je n'ai pas dit que tu pouvais le faire. Garde cette langue dans ta bouche. Mauvais, mauvais garçon. C'est ça. Laisse-moi faire. Détends.